verset du psaume 59. Pour ceux qui ont le programme, ça c'est pour dos du programme. Le psaume 59. Éternel, on se met debout pour lire alternativement les versets du psaume 59. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Tu m'entoures par devant et par derrière, tu mets ta main sur moi. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, si je vis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Que tes pensées, ô Dieu, me sont impénétrables, que le nombre n'est pas. Ô Dieu, puis-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Tu dégoûtes pour ceux qui se lèvent contre toi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes sentiments.
Goodness will shine. Tout comme il y a des dates qui sont comme le rendez-vous de l'histoire, il y a aussi des moments qui sont comme le rendez-vous de l'histoire. Ce moment, pour nous et plus spécialement pour vous les missionnaires, restera indélébile dans le calendrier de votre existence. L'an dernier, quand Pasteur Mathieu partagea avec nous cette idée, nous tous, nous y sommes embarqués, car l'idée parut extraordinaire, et lui, elle a fait son chemin. Je suis certain que depuis l'an dernier, vous tous, vous attendiez ce jour. Ce jour où vous aviez compté et entré dans ce que les Américains appellent le Hall of Fame, de tous ceux qui ont atteint la majorité civile. Au nom du corps pastoral de l'Église, au nom de tous ceux qui ont la majorité civile, je suis particulièrement heureux et très honoré de vous accueillir parmi la cohorte des adultes de l'Église. Les frères et les sœurs, fraîchement majeurs, civilement, je dois vous dire qu'à cette majorité civile dont vous jouissez cette année, vient s'ajouter, ou encore deux frères aussi s'ajouter, une autre majorité. Ce devrait être la majorité spirituelle. 6570 jours environ de cela, vous étiez tous dans les bras de maman et de papa. Vous étiez tous des bébés là-là. N'est-ce pas vrai? Et voilà qu'aujourd'hui, vous atteignez votre majorité civile. Mais ce que vous ne pouvez pas oublier, c'est que vu votre statut d'enfant de la promesse, vous devez aussi atteindre votre majorité spirituelle. Vous avez atteint votre majorité civile, certes. Mais vous devez faire preuve de cette majorité. Vous devez prouver à ceux qui vous regardent, à ceux qui vous observent, que vous méritez cette majorité. Vous devez montrer à ceux qui aiment dire que la jeunesse n'est bonne à rien, qu'ils se trompent, et que comme David, comme Joseph, comme Marie et comme Josias, vous êtes capables d'accomplir de grandes choses. J'aimerais vous rappeler ce soir que Josias est devenu roi à 8 ans et Dieu l'avait utilisé pour apporter un grand réveil en Juda. À partir de ce 17 mars, vous me regardez, vous me suivez? À partir de ce 17 mars, vous allez prouver à tous que Dieu peut vous utiliser en tant que jeune à la majorité civile et spirituelle pour faire la différence, pour collaborer avec lui et pour changer notre vie, pour changer notre communauté, pour changer même le monde. Cette cérémonie de cet après-midi vise à toucher deux objectifs. Le premier est celui de partager avec vous et vos parents la joie de vous éprouver. Car, comme en Amérique du Nord, celui qui atteint son 13e anniversaire